La mise au point, je veux dire, on va retourner sous deux incendies, Port-au-Prince qu'on est, et deux incendies dans le marché public. Premier, c'était marché en fer, et deuxième, dimanche, dans le marché du port, où il y a le tout marché million, marchand de perdu en pile, marchand d'isio, et là, il y a gagné une commission interministérielle qui m'était capé pour capable accompagner marchand de victimes, suite à visite président de la République, Jovenel Moïse, était fait. Dans le marché en fer, dans son jeu mardi gras, après incendie ça, après du feu ça, tu es fin pété dans le marché ça. Et là, pendant la commission a travaillé pour porter appui à marché en fer, marché en victime bien entendu, et bien dimanche, vers 11h midi, il y a du feu qui éclaté dans le marché du port, communément appelé marché million. Et là maintenant, marché en fer, tout qui est nécessaire pour l'État accompagner. Maintenant, pour qui ça, question boulet marché, parce que tout nos pratiques dans le pays, ça, pendant les dernières années, ça y est, en pile marché boulet, mais au fait, qui ça fait tout pour que nous fassions prévention, pour empêcher nous tomber dans la réalité, ça y est, qui ça fait tout après les marchés au fin boulet, pour nous identifier, et qui ça fait au boulet, et là, fixer responsabilité, et permettre que la justice fasse lumière. Sous cet argument de ça pour que vous fassiez ça pour faire avec Mounzaïo. Alors vraiment, c'est une question qu'a posé Jodia. Non mis au point de regarder pour qui ça Haïti pas cap gagner encore de sapeurs-pompiers professionnels, pour qui ça jusqu'à présent les différents prend son tête chargée, pour qui ça Jodia ne pas arriver contre les questions incendie en Haïti. C'est ça que nous voir matin avec un spécialiste dans contrôle incendie, Gaël Pinson, qui apparaît pour répondre à une question mise au point jeudi. Alors, merci tout le monde qui est avec nous. Et on a démarré Hector Sylvain avec reportage ça, collaboratrice ton Rachel Sefort qui est préparée sous conférence pour la presse, commission interministérielle là-bas hier. Et il parlait de recensement qui déjà démarré, parlait tout de l'ONA avec CAS qui ont même paré pour porter support à machin victime, même si jusqu'à présent il paraît très difficile. Puis on mettait d'accord sur quantité de monde qui était gagné marchandise qui boulait dans le marché en fer. Dresser liste marchand victime dans l'idée pour bailler au moyen l'argent qui permet de faire face à la responsabilité. C'est un objectif de la commission interministérielle qui gagne pour accompagner marchand qui perdit marchandise dans le fait qui éclaté dans le marché en fer. Commission ça qui gagne là-dedans représentant ministère commerce et industrie, ministère affaires sociales et travail, office national assurance vieillesse, caisse assistance sociale, ministère conditions femmes et droits femmes a intervenu dans deux niveaux. Et intervention nous l'a fait à deux niveaux, au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, une fois que nous finissons, que nous commençons avec recensement, mais l'islam pas marchand victime n'est pas exhaustive, n'a pas gain pour une bail ou allocation. Et en même temps, au niveau du ministère du commerce, une brigade qui sur les lieux, qui au niveau marché, qui a fait ou évaluation pour nous déterminer niveau perte là et pour nous capable bail au bilan chiffré de perte là. Et sur cette base, une fois que nous finissons faire bilan ça, n'a pas capable accompagner machin ça qui c'est des petits qui c'est des micro entrepreneurs et pour nous aider yo échafauder ça au plan d'affaires et référer yo à aux institutions financières de la place telles que FDI ou bien ONA pour yo capable joindre ou aide suffisante pour yo capable reprendre activité yo. Ministère Affaires Sociales nous mettait tout en branle depuis le président a lancé commission hein. Tout yon staff pour aller kounia joindre qui possibilité pour nous gagner au moins moun ki victime yo, machan yo, femme kon garçon pour nous gagner tout nifio avec carte d'identification nationale parce que c'est l'état nous qui gens pour nous bailler assistance c'est pour nous identifier et identifier en tant que citoyen. De ce fait, nous joignons des listes qui donc un digicel que nous connaît qui gagne une liste exhaustive qui gagne environ 542 machines mais liste digicel là malheureusement n'est pas gagne NIF avec SIN. Alors c'est comme ça équipe technique nous de concert avec équipe technique conditions féministes conditions féminines et ministère commerce là et nous dans marché nous en contact direct
avec des marchands que nous connaissons qui perdu des marchandises. Ça veut dire en contact yon ak l'autre, nous commencer recenser un pile marchand avec Nifio Signo pour à partir de l'ONA, à partir de CAS pour nos cas rapidement bayo en certaine allocation. Responsable ONA ak CAS expliquer yo pari pour Joël Payo pour accompagner et puis porter assistance ben marchand yo. L'ONA dans le cadre de ça, la joue li comme institution, et que nous pensons que Jean-Ministre dit au début, ça fait tout le monde mal, parce que en majeure partie, c'est femmes. Et nous connaissons que l'ONA li penché en pile sous femmes, sous ces machines, à travers le programme ONA Femme. Donc nous sommes censés nous interpeller, et ça fait nous vraiment mal jusqu'aux os. Et nous pensons participer et nous participer selon instruction gouvernement et même commission. Nous-mêmes dans CAS, nous avons une rubrique qui c'est œuvre sociale. Ça fait moi indiquer rubrique là, c'est pour me capable souligner que l'intervention que nous allons faire pas déranger bénéficiaires nous, allocataire mensuel là. Allocataire mensuel yo a toujours joindre frais correctement. Li pas déranger employé yo. Employé yo a joindre salaire correctement. C'est dans la rubrique œuvre sociale là, côté que c'est un corps qui est disponible pour nous porter assistance nous à tout le monde qui en a besoin. Et déjà, le ministre des Affaires sociales là, autant de fois que lui instruit nous, lui voit lui sur banon, nous même n'a pas échec. Même commission dit, il a mobilisé, il a travaillé pour porter réponse à la situation. Pendant, il a remercié Machan qui collaborait. Merci à Pile Rachel Saint-Fort. J'en ai déjà annoncé l'île pour aller faire mise au point ça sous réalité que nous connaissons particulièrement pendant les jours qui se passent là-haut. Deux incendies, nous avons passé 10 jours. Et, mais ce qui est intéressant, c'est qui ça nous capable de faire pour nous faire prévention, pour empêcher nous gagner victimes, chaque fois marcher à bouler, et qui ça nous capable de faire pour nous équiper et ça peut pompier nous, pour être capable efficace et professionnel. Qui sont capables de faire aujourd'hui pour que les gens disent que ton côté, pour c'est pour une tête chargée pour Haïtiens ou bien pour l'autorité, pour que finalement nous sommes capables de répondre et permettre que la population joue un service à bonne et due forme. C'est autant de points pour regarder avec un spécialiste, la question contrôle l'incendie. Monsieur Gaël Pesson, qui a accepté de répondre à la question de matin. Monsieur Pesson, son plaisir pour nous recevoir sur TNH matin. Son plaisir tout pour me répondre à l'invitation, c'est génial, et m'a profité. Occasion pour me présenter et salutations à toutes et téléspectatrices et téléspectateurs, programme mise au point de TNH. Parfait. Alors, l'entente du fait pour un marché en fer, l'entente du fait pour un marché million, et comme vous qui avez expérience en question d'incendie, ça a d'où qui ça? Et ça frappe, parce que c'est la même classe de démunis qui toujours a frappé. Et ça d'autant plus affecté tout que moi que les décideurs de pays, nous, depuis tant d'années que le marché a été frappé, pas de aucune leçon qui tire, pas de aucune décision qui prend pour que y approche à faire pompier d'une façon rationnelle, définitive. Pas de mon volonté vraiment, parce que à chaque fois le fait, c'est des approches immédiates que vous faites, des bails ponctuels qui pourraient répondre à un besoin immédiat. Et puis, le problème dans sa globalité, dans sa totalité, qui est de monter un corps de pompiers, qui est de définir au sein de la société rôle pompier, fonction, vocation, malheureusement, le pas jamais fait. Donc, il y aurait ravalé question à et problème pompier, camion et de l'eau. C'est comme si tu apprends santé publique ou ravalé à ambulance et médicaments. Il n'y a pas ça seulement. Non. Moi, de santé publique, ambulance, médicaments, ouais, c'est pas ça. Côté médecin, côté. Parce que le pompier est un individu formé qui a une vocation pour sauver vie. Moun. Et son sacerdoce, son métier, un métier noble que lui. Dans 5 corps de pompiers, vous gagnez toutes sortes de spécialités. Et c'est 50% travail pompier qui éteint du feu. L'autre 50%, il y a pour faire prévention, il y a pour faire éducation, il
il y a du public, il y a pour faire inspection, il y a pour faire recyclage, il y a pour faire toute l'autre activité et répondre à tout incident et accident qui est dans la vie nationale. Là. Maintenant, il s'agit de monter ce corps. Premièrement, au grand handicap, c'est que le corps des pompiers actuellement se trouve au sein de la police, dans le corps de police. Là. Faut qu'il sorte la donne, c'est une recommandation par nous, à partir de l'expérience. Oui. Faut qu'il sorte la donne et faut aller sous tutelle ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La protection civile Non. Protection civile, c'est bras et jambes pompiers. Ah bon? Protection civile pas jamais efficace sans l'existence d'un vrai corps de pompiers. Il y a toute qualité de responsabilité, il n'y a pas jamais cas efficient. Pourquoi ça n'a pas qu'à gagner contrôle et quoi? Parce que ce n'est pas vocation. Okay. Ce n'est pas vocation. Protection civile, c'est jambes avec bras pompiers. Pompiers, c'est l'écosatua. Maintenant, c'est l'heure à la performance, c'est les deux ensemble qui pour bas résultat. On parle de vous t'a retiré sous tutelle la police. Non, il faut retirer la police, pas dans tutelle la police, là dans votre la police. C'est la police même. Oui. Mais quelques communes dans le pays, c'est mairie qui contrôle les pompiers. Par exemple, Cafou, Delma, Pétionville, c'est mairie. Oui, mais le problème c'est que bon, nous félicitons pour l'esprit d'initiative là. Mais ceci doit être réglementé. Par exemple, dans le marché en bas, les mairie Carrefour, ou la mairie de Pétionville, ou la mairie de Delma, Cali. Bon, qui est-ce qui est en contrôle? Personne. Ils sont là. Ils ont intervenu. Mais c'est une bonne chose, parce que la nature aurait du vide. Mais maintenant, qui est-ce qui prend contrôle ça? Qui ça ou connaît? Qui ça ou habitué à faire pour prendre contrôle là? Le problème d'unité de commandement. C'est clair. Et ceci, ça prend. Ce n'est pas improvisé. Je dis à mon chef, ou on a tout pour nous, mes chefs. Ce n'est pas question de chef, parce que là, on ne peut pas plaisanter avec la vie des gens. Parce que ce soit sauver matériel là qui a remplacé. Mais il a la vie des gens. Mais il va toujours comme ça, monsieur, je suis à propos de l'aéroport. Il va toujours comme ça. Ça passe, il fait une vie. Non. Ça, il ne faut pas confondre pompier à l'aéroport avec pompier de ville. Okay. L'OE pompier aéroport à Bayon support la ville sont gros dérogations faites au niveau des normes internationales parce que c'est pompier aéroport. Ah bon? Et, ouais, ou pas un droit. Ou pas un droit. Parce que vous avez responsabilité avion et même si aéroport n'a pas un avion au sol, vous avez des avions qui ont survolé aéroport qui fait Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui a gagné n'importe qui côté. Ou signer des conventions ou d'accord que l'aéroport international là soit aéroport de dégagement lié. Donc si aéroport, si avion pendant la survolé territoire ici, il y a un problème, c'est là pour descendre. Donc il faut toujours parier 24 sur 24, 7 sur 7. Donc l'on fait ça là, son dérogation, ça fait une. Deuxièmement, type de camion pour aéroport différent de camion pompier de ville. Il allait beaucoup plus vite, donc on paquet de. Mais on fait pas toujours comme ça, est-ce que pas de bon ça pour pompier professionnel dans le pays? T'es toujours gagné depuis sous la médaille. Sous la médaille. Et puis il vient de gangoler même gens toute institution. Ça fait arriver là. Toute institution vient de craser dans le pays à même gens. Il n'est pas vacciné, non lui-même. Il prend même maladie. Il crase toute l'autre institution. Il vient toute l'autre institution en débandade. Malheureusement, le corps de pompiers vient arriver là. En plus qu'on y a la mitan la police. Parce que l'œil de la médaille, t'es gon l'autre structure. Parce que j'ai été un pompier, par contre, j'ai pompier qui était sous grand, oui, peut-être au niveau de Timoun. Ensuite, il vient traverser derrière, mais tu as des gros chefs pompiers, tu as Georges Lee, fils, Tipoussé Lee, ou tu as colonel Achille, ou tu as conseiller de nec qui était gros commandant pompier. Et puis, par la vie, dans décrescendo. Mais maintenant, si les décideurs, les dirigeants de ce pays, pas conscients de rôle en pompier dans la société, pas conscient pour le bail vie humaine, vie chaque citoyen en Haïti, vraie valeur, ou pas investissement, ou pas aucun support. Je suis un Américain fou qui dit même qu'il y a un pile professionnel et qui est capable de bailler coup bourrade, il y a quelques camions tout. Mais il dit même qu'il y a une machine, mais ça ne veut pas être professionnel.
qui ça je dis que tu as de fait pour que finalement professionnel yo là machine yo là nous gain moyen gain ressources pour nous répondre les gain incendie dans pays. Bon, la nature a toujours du vide. C'est là le danger. Nous sommes félicités esprit d'initiative mais ça yo. Mais le danger, qu'est-ce qui va lui? Quel type de formation recevoir? Pour quel type d'intervention que entraîner? Qui expérience? Qui conditions physiques? Est-ce que vous avez un certificat d'aptitude? Ou vous avez un métier apparemment? Est-ce que vous avez un dossier de CPJ? Est-ce que c'est bon pompier urbain? Est-ce que c'est bon criminel qui l'a? Vous comprenez? Qui degré de formation? Donc, vous avez un certificat, vous avez une condition médicale, une condition physique, il faut un certificat médical, il faut un certificat de CPJ, il faut un test d'aptitude pour être est-ce qu'il est capable de faire métier. Le fini, le regarder, il faut une corpulence pour gagner tout dans le pompier. Il faut être capable de faire sport parce que l'on du feu prend. Ou par contre, dans combien de temps, qui ont maintenant duré, il faut une bonne condition physique. Il faut une nutrition balancée. Qu'est-ce que vous faites évaluation ça, M. Vincent? Professionnel qui vous fait. Nous sommes ici? Oui, professionnel qui vous fait. Mais malheureusement, en Haïti, on ne respecte pas les professionnels. Parce que, vous avez un magistrat qui dit, formation coûte trop cher. Ceux qui sont au baso, qui connaissance ou qui compétence ou dans le domaine pour capable évaluer son formation cher ou pas. Peut-être c'est sous base ça au deal. Non, c'est le deal que le doit cher. Oui, mais c'est consultant qui veut être deal ça. Consultant qui formation. Qui formationne. Parce que chaque bagage a un prix. Ou pas l'ouvre un pomme gaz. Il y a un pomme gaz. Il y a un bon prix. Il paye un pomme gaz. Et voilà, je machine blindée. Il achète. Parce que vous connaissez. Ou va lâcher un bon costume, ou va lâcher une montre, ou va lâcher un bail qu'on connaît, ou fait. Mais le domaine ça, il n'y a pas qu'on est. Il a décidé que l'hydrogène. Alors, le responsable en commune, que vaut une vie humaine? C'est parce qu'on a été, ou pas rendre compte de ça. Vous ne pouvez pas mettre en danger la vie des citoyens d'une commune sous prétexte d'un bagage trop cher. Bon, ce sont les gens qui respectent les têtes, qui voulaient faire un bagage vraiment pour la communauté, d'une façon rationnelle et professionnelle. Les gens qui disent que c'est trop cher, ils disent que c'est trop cher. Ou ils disent, oh, je ne peux pas te faire. Si vraiment intéressé à ce bagage-là, si vous êtes intéressé, vous classez. Mais si vous vraiment intéressé, vous dites, oh, je ne peux pas te faire comme ça. Moi, je viens expliquer, je ne connais pas le domaine, expliquer pour qui ça va comme ça. Ou abdi lo ki di ket m pa gen budget pou li nou ou même ou ka aide l comme professionnel ou ka aide l ou di bon OK ki budget ou mes priorités ça faut dégager joine comme ça ou gen doit faire comme ça essayer jouer côte à cou garder pour si tel moun ka subventionner ça pour voilà comment un responsable quelqu'un qui connaît la valeur des vies de citoyens qui vivent dans communauté li voilà comment pour réagir. Mais pas cramper d'une façon vulgaire et désinvolte pour dire ça a trop cher. Ça prend combien de temps pour monde vient pompier? Ça dépend de l'aptitude. Hein? Ça dépend du niveau de formation. Autrefois, vous faites 6e, 4e, secondaire, entrez dans le pompier. Même pas parler de bail fondamental, bail qu'on y a, pas qu'on y a. 6e, 4e, longtemps. Et puis, bon classe tout. Vous êtes un bon professeur, bon niveau, mon bail. Vous êtes capable de pompier. Maintenant, c'est le niveau universitaire. Parce que il y a la science du feu. Moi-même, je me suis fait quand j'étais dans le pompier, je me suis dit fait de la science du feu, il pas d'exister. Dans le cours de route, je me suis retourné à l'école, je me apprendre la science du feu. Parce que vous n'êtes pas capable de combattre un élément qu'on ne connaît pas. Ou est du feu, ou pas un élément du feu, ou pas qu'on qui ça lié. Donc, vous obligez qu'on a la science du feu. Maintenant, avec toute dernière technologie, tout nouveau produit qui gagne, dans tous les domaines, médical, technologique, pharmaceutique, et au niveau de matériaux de construction, quel type de matériaux, bah, ça cancérigène, ça va cancérigène, des produits de clé, des produits chimiques, etc. Obligé qu'un niveau universitaire. Maintenant,
ou gen formation de base là qui gen doit durer peut-être moins 4 à 5 semaines. Base. Mm-hmm. C'est celui pour dire. Et puis maintenant, on va étudier plus et sous pral dans spécialité par exemple, ouvrir à l'inspection par exemple, ouvrir à l'information, inspection bâtiment. OK? Ouvrir aller par exemple aller au niveau du sauvetage et dans la mer. Ou voulez aller faire sauvetage au niveau de la prévention routière, par exemple. Ou voulez aller comme paramédic. Ou voulez faire ambulance. Mais paramédic, là, ou gagne différents niveaux. Ou qu'a fait stabiliser, ou qu'a stabilisé un accidenté en prodiguant des premiers soins. Ou qu'a gagne droit à faire l'autre pour, ou arriver dans, et pour utiliser, par exemple, et bon, gagne gestes qui sauvent. Vous comprenez, quand on fait réanimation cardio-pulmonaire, mais faut qu'a utiliser appareil là tout, qui sont l'autre niveau. Ah, ils ont qui niveau tout. Massage cardiaque, c'est pompiers. Dans tout pays civilisé, organisé, après bon Dieu, c'est pompiers. Quel que soit incident, accident qui arrive n'importe côté, c'est pompiers qui étaient venus. Il n'y a pas qu'à passer de pompiers. C'est, écoute, c'est pour ça qu'en Haïti, il faut que les gens connaissent où est le pompier. Qui est le pompier dans la société? Qui est le pompier? Hein? Et qui est le dans la société? Parce que quel que soit soit fait, vous tout comprenez c'est du feu. C'est même si on comprend tout à fait sécurité, soit à fait de âmes. Non. Donc, ensuite, il y a des échelons. Et l'arrivée chef pompier, ou un charisme, ou un leadership, ou une vision, il faut gagner une certaine humilité. Il faut gagner une certaine maîtrise de soi pour être capable de diriger le corps. Parce que il y a des situations qui arrivent, mais c'est décision qu'on prend qui est déterminante pour l'incident qu'on gère. Mm-hmm. Et ce sont les trois premières minutes, et c'est pour ça qu'il faut avoir un coup d'œil pour être capable de connaître exactement en une fraction de seconde où évaluer les situations et pour connaître exactement qui côté pour attaquer. Mon cher, c'est un métier noble, côté que tout le monde a fait carrière, et je garantis que si les décideurs penché sous question ça là kounia là yo wè problème et que yo vle approcher dans sa globalité pas ravaler le affaire de camion et puis de l'eau et plus que ça on ka bo 200 camions pour pied kounia là ou pas résoudre problème non son ba cosmétique son ba cap durer 2 3 jours quand on revient dans showroom là il passe 2 3 types pour ti baie pour après qui ça. À un moment là, je j'ai dit bon pour émission seulement. Après ça, qui ça? C'est exactement ça. Comme de fait, le problème n'est toujours été entier. Ou après, une équipe qui fait quoi? Il n'y a pas un bon petit camion pour acheter. Vous comprenez? Donc maintenant, si le gouvernement approche le problème d'une façon définitive, rationnelle, comment approcher et dans sa globalité, comment approcher le problème justement? Il faut que l'exécutif prenne ses responsabilités et lui fait preuve de volonté manifeste. Pour dire, un, deux, trois, ça pour dire, où on s'est gagné, il réunit les professionnels qu'il a. Et puis il dit, monsieur, l'exécutif décide qu'à partir de jeudi, il a enclenché la mise en place d'une façon définitive d'un corps de pompiers national. Y compris le centre de formation, etc. Maintenant, deuxième part, c'est le législatif. Parce qu'il faut voter la loi pour retirer le corps pompier dans la police, sous justice, pour mettre sous tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et il faut que ça soit nous sous tutelle. C'est même gens avec AN, APN qui sont dans le travail public. Ce sont des organismes autonomes à caractère privé qui jouissent de l'autonomie administrative et financière. C'est le même genre. Maintenant, on va dire que la Constitution dit que c'est sous le ministère de la Justice. Très bien. Mais la commission qui travaille sur l'amendement, on va mettre l'amendement. Mais entre-temps, on parle avec plusieurs avocats, plusieurs légalistes, je dis qu'il y a des mesures conservatoires ou qu'il y a des droits. Il y a des bails, il ne faut pas me répéter parce que je ne vais pas avoir le thème exact. Je ne vais pas avoir les bails ou informations tête en bas. Mais ça,
c'est possible que entre-temps légalement ou capable de fonctionner. Maintenant, il faut que l'IPRA tombe dans la mairie. Maintenant, il faut garantir le fonctionnement du corps des pompiers. Ça, c'est tout des bagages que vous doit faire pour bayo des lois qui pour bayo autorité pour capable taxer monde qui pour représenter plus gros risque dans commune. Et en plus, il faut leur donner le moyen d'application des lois. Parce que très souvent, loi campé là et puis mode d'application, c'est comme si bon, on équipement là et puis on mode d'emploi. Ou on regarde l'abgado. Parce que les pompiers à venir pour faire inspection et puis ils ont filé l'électrique ou pas bon. Les bonnes premières observations. Les tournent encore ou elles pas bon. On est à folle capable. La loi dit qu'on ça gagne, bon, 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 amende. Mais tout ça dit là, on a un coup, regarde, Vincent. Mais ça s'apprend. Ah, puis le fois, il y a un qui dit, ça c'est cher là, peut-être que ça fait Haïti, va me garder là-dedans. Ça cher, qui ça cher? Le matériel, la formation, mondio et camion. T'es Mexico, tout le bagage a une priorité. Ou pas qu'on est, ou est quand tu t'es machine blindée dans la rue? Bah, pas les gouvernements, bah, pas les privés, non? Ou pas qu'on est que gagne des camions, gagne des machines blindées qui gagne même prix à un camion mobile? Et gagne des machines blindées cachées, deux camions mobiles? Gagne des machines blindées cachées, deux ambulances? Ce sont questions de priorité, ce sont questions de vision, ce sont questions de leadership. Et est-ce que les décideurs, les dirigeants, connaissent la valeur qu'on vit humaine en Haïti, un citoyen qui vit en Haïti, est-ce qu'on va le ville? La population est mineure. C'est l'État qui est majeur. On quand même vous écouter combien vous dire? Ou regardez, ça dépend de côté. Hein? Parce que chaque camion pompier, il faut prendre en considération côté que va utiliser. Ou gagne entre 150 000 jusqu'à 300 000 dollars. Mais ou gagne un camion jusqu'à 1 million de dollars. Parce que souvent, le camion à échelle. Mon autre problème. Pour un camion à échelle là, pour un camion à une route en Haïti pour lui. Alors, les routes dans la ville, les filles écoubio. Ou regardez tout pour qu'on y a conçu en hauteur. Hôtel, il y a conçu en hauteur. Bon, quand il y a 8 étages là, on dû faire prendre un 5e étage, il y a 7-8, qu'on n'est pas sorti. Ou t'es qu'on t'as un nom de 10 moun. Ou bien le Spider-Man. Ou bien, c'est bien pas possible. Parce que, premièrement, camion besoin, routelage. Rien n'est prévu pour le corps des pompiers. Leur voyage, vous n'avez pas de route pour pompiers, vous n'avez pas de fireline, vous n'avez pas de route de côté. Les constructions se font en conséquence. Même si et bâtiment, un système de protection parle, c'est une obligation parce que vous êtes responsable pour capable d'intervenir dans les premières minutes. Trois premières minutes de choc décisif. Maintenant, si vous ratez trois minutes là, on est à pompier venant à rescousse. Même si il faut bâtiment, on n'a pas un plan bâtiment dehors. Plan bâtiment, on n'a pas jamais un plan. Toi, Kabaï, il bon, y a certains bâtiments, on a un plan. Il y a d'autres plans à respecter. Modification en fait, il n'y a pas fait mise à jour dans le plan. C'est ça. Les pompiers ont besoin pour les devenus. C'est clair, parce que 12 janvier, il y a plus de. Et ensuite, c'est Bostidio, Bostjefra, Bosbaga qui a fait l'autre caillou. Il fait ingénieur, il fait un bagage, il pète un lobby avec ingénieur, il sorti, c'est Bostidio avec Bottendet. Qui plante le bâle? Qui matériau le bâle? Qui qualité matériau le bâle? Parce que, dans le corps de pompiers, il y a un inspecteur qui a vu garder matériaux. Qui type fil électrique? Qui type fait? Qui gagne protection, gagne climatisation, sortie de secours. Parce que très souvent, ils mettent son porte, sortie de secours. Bon, il y a des côtés mal, sortie de secours, ils marquent les portes, ils portent pas ouvert, non? Ils marquent juste pour les gens qui ne connaissent pas, passé, puis ouais, que les gens remplissent, ils respectent les normes, et puis c'est pas vrai, porte pas ouvert. Ou bien, leur ouvert porte là, ils sont plus en sécurité côté gagne danger que sous des sorties. Parce que leur sortie ou sortie, ils ont pile fatra. Ou qu'à sortir ton pile ferraille, ça c'est pas grave que je vive, oui, que je connais, qui n'a chivement. Ou sortir bon pour un escalier, ou un paquet de 200-300 monde, ou à sortir, et puis escalier a pas descendu tout droit, escalier a plongé la gagne 5 marches, et puis il gon coupe. Tout pour nous a pour une coupe là. On l'a bagage 3 capotes qui baillent sur l'extérieur, ouvert sur en dedans. On l'a sorti, c'est pousser pour sortir. À tout côté pour eux, 99,99%. Pas qui ouvre son dedans.
Alors les moun n'a poussé ou même pour aller qui faut sou gen pour aller là. Tout ça, pas gen pompier, pas gen homme, pas gen standard. Donc l'on garde dans qui ça n'a vive là. Et j'ai l'impression que décideur yo ni ça la kounya ni ça passé yo. Yo comprennent que rien pas jamais rivé, malheur pas rivé. Mais nul n'est exempt. Je dis à ces marchés, demain c'est qu'on doit au ministère, c'est qu'on doit parler national, c'est qu'on doit là qu'un sénateur, un député, parce que les risques d'incendie sont partout. Dès pour gagner l'électricité, ou gagner gaz, ou gagner tout bail, toutes les conditions sont remplies. On regarde pour marchés qui voulaient pile fois en Haïti, même si par exemple dit après qu'on s'est passé exactement. Ou même comme spécialiste, qui ça selon vous qui fait que généralement dégâts sont considérables comme ça dans la machine? Moi-même d'expérience, ouais, tout du feu pendant Haïti, 80% au moins du feu pendant Haïti, c'est criminel. Faut pas exagérer. Vous pouvez. Oui. C'est 37 ans de carrière campé devant là. Même temps de responsable dit ça, de parler de Fatra. Il y a de la police parler pour marcher million c'est sous du tap. Là va l'expliquer là avec madame de Rélin dans commission. Là va l'expliquer là-bas. Si monsieur gagne des données, il gagne ba lien mais que là le bail m'a pas chez fou monsieur. Vous comprenez? Parce que moi même comme professionnel, monsieur dit c'est Fatra. Supposons d'avle rentrer dans thèse Fatra. Avec flamme que moi. Intensité du feu ça. Durée du feu. Faut me dire qu'on qui a été fatra parce que nous avons un gaz contaminé sur fatra et déchets. Nous avons un gaz qui est vieux bah qui tombe là dans le bac à mettre le moteur sont déchets. Ou d'accord, n'importe qui produit contaminé c'est bon déchet lié pour fatra. Pour le bouler, pour le tordier faire pour faire tomber. Ou figure qui intensité chaleur. Et puis qui ça calimente pour le kembe? C'est parce que 2000 degrés centigrade pour faire ça virer. Pour le tomber. Hein? Donc vous figurez qui sont pas le bouillé? Qui a été? Monsieur a expliqué Nadji Fadra. Ça m'a. Moi, ça t'a pas être invraisemblable. Mon cher, je ne pas opiner sur tes âmes, mais questionner. Je vais me souder là, mais questionner. Et tes âmes soudé, on est soudé dans ma chère dimanche et puis. Tout ça, c'est concession, ma fée. Ou Jim Gunnick l'a absoudé. Premièrement, qui j'en fait absoudé? Qui sale d'absoudé? Qui ça qui est autour de monsieur dans l'environnement immédiat? Qui sale? Parce que d'expérience, et c'est ça que je toujours dit, tout client mieux. Premier monde pour veiller dans l'entreprise, on va essayer de l'absoudé. Un. Pas quitter au branché sous circuit électrique. Parce que pour sauter tout appareil, bouler, garder comme si les éclairs étaient tombés là, ou bien son époque de DH, vous vieux courant, et puis vous sautez tout appareil, la fait même bagarre là, et le camé du feu là. Un. Deux. L'absoudé, il faut mettre un extincteur côté. Trois. Faut garder pour essayer de aucun produit inflammable. Quatre. Faut que les l'absoudés, il y a des chèques à venir, il y a des tessels, tout ça, dépendant de sa bouche. Faut qu'il n'y ait aucun fatra, aucun vent qui peut servir de vecteur de propagation de feu en cas d'incendie. Il faut veiller, monsieur, il faut veiller, il faut mettre un 5 degrés, il faut mettre un monde. Donc, maintenant, est-ce que nèg là, qui s'est absoudé, c'est fini. Bon, je vais arrêter, monsieur. Moi, j'ai un problème avec ça. Ou pas capable. Puni au monde sous pas montrer ça pour le faire. Ce qui veut dire que qui règlement que monsieur enfreint. Est-ce que tu as un consigne qui t'est passé qui dit ou bah il doit souder là? Est-ce que monsieur de courant? Il y a un tas de questions à se poser. C'est pas un bap sous le coup d'émotion, bap pour bah en couverture politique ou bien pour réagir d'une façon irrationnelle. Ou comment vous dire, je ne connais pas. Je ne pas dire que la police n'a pas fait travail. Je ne pas dire que la police n'a pas compte qui j'ai pour faire travail. Parce que ça m'a dit. Je m'a prêté dans le domaine protection incendie, lutte contre incendie.
y a critiqué un paquet moun ki mete gaz pou pande la kayo, y a critiqué pompe gasoline sa pa gen droit là, y a critiqué mais qui loi qui enfreint? Yo pa viole aucune loi non. Dernière loi sur entreposage produit inflammable, c'est 1946. Donc nèg sak nan marché là, est-ce que gon côté di défense de soudi? Est-ce que conseil d'inspecteur passé dit zone ça interdit de souder? Qui ça le violer comme règlement? Qui ça? Donc la police gagne élément par là même que moi-même moi pas gagné. Mais ça fait selon vous tout devant tout le temps ça pour nous circonscrire du feu, que ce soit pour marcher en fait, que ce soit pour marcher mignon, malgré monsieur dame fait monsieur pompier arrivé et dans l'heure tête arrivé à qui ça arrivé? À qui ça arrive? Oui, arrive. Non, moi camion, moi masse, moi tuyau. Toi, quand tu t'en es arrivé, c'est spectateur. Bon, monsieur pompier, ça, qui niveau formation recevoir? Et ça, Mabdou, qui niveau formation recevoir? Un. Deux. Qui dernier recyclage? Trois. Chaque type de dufé qu'on j'en veux tenir. Bon, même tenue protection, est-ce que tenue correspond à type de produit qu'on y a qui a vendu, qui a brûlé, qui a dégagé chaleur. Les masques maintenant avec la fumée, parce qu'il y a des produits de combustion lente, il y a des produits de combustion rapide. Et Haïti, elle a devenu la poubelle des pays industrialisés. Il y a un paquet de vieux produits qui sont interdits vendre l'autre bord pour combustion rapide et émanation de gaz toxique, etc. Ils réussissent parce qu'il n'y a pas de contrôle de qualité. Et heureusement que l'institution que vous les salcons, qui est jeune, qui est très dynamique, qui a penché sur le problème ça pour la protection des consommateurs. Et ça va aider. Mais si tu es un corps de pompiers, parce que tout ça n'a pas à nous virer là, c'est sous corps de pompiers à nous virer. C'est l'inexistence du corps des pompiers. Maintenant, tenue de protection, je vais regarder moi du feu que tu prends sur votre frère. Moi, pompier pour diable, c'est freiné chaleur. Regardez, nous, enragé, je ne sais pas qui côté pour attaquer, je ne pas équipement. Moi, je prends un camion de loi, puis vous un camion de loi. Camion de loi, pour plein réservoir. Et puis, il faut qu'on quitte pour servir de loi. Parce que si vous ne pouvez pas servir de loi, vous devez pousser du feu. Vous devez prendre du feu à la mettre de l'eau là. C'est là seulement qu'à bouler. Je n'ai pas de technique pour mettre ni pousser du feu à la bouler tout ça là. Très souvent, c'est ça qui est. Le problème n'est pas de faire de l'eau et camion. Il faut que technique, il faut qu'on quitte ça pour faire. Je n'ai pas 1000 gallons de loi pour aller tenir du feu. Je prends 1000 gallons pour aller tenir même du feu. Ou même, bouler tout le cas là. À tout 1000 gallons là, moi, je sais pas 250 gallons, mais t'en du feu, fini. Donc, quelle est la formation qu'ils ont reçue? Qui est-ce qui les a formés? Est-ce que les gens ont recyclé? Mais ce sont des héros. Mais, pompiers, il ne faut pas comprendre qu'ils sont héros. Ou bien, droit poser à qui fait de ou un héros. Mais il ne faut pas comprendre qu'ils sont super-hommes, parce que, ou pral, l'homme entraîné, ou pas formé, ou à courir, font bagarre qu'on ne pas connaître, qu'on ne pas maîtriser. Ou vin victime, ou vin augmenter le nombre de victimes. Et automatiquement, pompiers vin moins performants parce qu'on y a un confrère qui a sauvé, pas occupé, et du feu. Et on peut pas jouer avec la vie des gens, pas qu'à exposer la vie moun comme ça. Moun nan, s'il va entraîner, camper derrière. Parfait. Mais là, sans dire du feu éclaté, deux marchés, nous pas souhaité vivre ça encore, même si nous vivions plus fois. Là maintenant, en termes de prévention. Nous pas souhaité. En termes de prévention, et, M. Pensois, que ça vous me fait, parce que, pareil, quand on place prévention, tout. Ballon d'un pied exécutif, là, il est là. C'est l'exécutif qui doit prendre ses responsabilités. Pour monter, soit, M. Dou, là, là. Là, il va à comprendre professionnel ça, que ma pointe pour arriver. Et déjà, même pour. Mais il y a des mesures conservatoires, il y a des bagailles pour prendre. Écoute, dès que l'exécutif fait preuve d'une volonté manifeste pour l'adresser problème là ou après tout le monde a vinn regrouper de lui pour capable faire sa preuve. Il est vrai que la printemps conseil de mise en place qu'a fait, mais il y a des mesures conservatoires qui doivent faire dans l'immédiat, des mesures transitoires de façon que ou offrir population au minimum de sécurité. Ou pas investisseur qui a venir, moun yo pas venir à tout final. Et ceci dans les 10 départements géographiques, je ne parle pas de la République de Port-au-Prince. Et je garantis, je vais vous expliquer, je définis avec le rôle des pompiers, carrière que nous devons faire, spécialité que nous avons. Bon, on a besoin d'équipe pour aller chez nous. Alors, vous comprenez, vous allez commencer à manger au Brésil, vous allez manger dans l'Amazon. Pas question, parce que vous avez un travail à la Cali et son métier noble. Parce que nous, on est pompiers, on respect.
ou un charisme, ou une certaine notoriété que jouer, mais il ne faut pas être arrogant. Pour eux, d'ailleurs, ils apprennent les gens. Tu es là pour sauver les vies. Mais par exemple, tu n'as pas eu de problème. Pas être jeune, mon cher Abgen. À travers les 10 départements géographiques. Non, je par exemple, Jérémy, en 2014, pendant le gouvernement de la CAI, et puis on dit fait presse. Et pendant le presse, tu as vu Jérémy, malheureusement. Moi, l'un des chefs, on peut après les mieux dire, moi, on dit fait Jérémy, il me dit ça, je vais. Et vous, ça ne t'a pas eu de prévention. Voler le gars. Mais la prévention, c'est le mot-clé. La prévention, c'est le mot-clé. Mais Haïtien fait allergie à prévention. C'est les choix la fin passée. Il dit barré. Mais comment se fait-il que ça fait deuxième fois marcher pour les bourreaux? Marcher ça, marcher guéri, marcher million, j'aurais là. Nous sommes déjà pris tremblement de terre. T'es boulet dans l'en bas. Marcher pour abonnement du feu. Ou un paquet de lâches, d'imbéciles, qui ont détruit l'économie pays, qui ont frappé en classe, qui ont travaillé dur. Pour qu'ils aient passé sur notre bail pour le faire. Pour qu'ils aient raison de le faire. Marcher par l'extérieur, ils sont visités souvent. Rien. Même si on a deux, trois, quatre, cinq, mais ça. Mais bah, yo, on taille. Il faut évaluer l'islam pour être taillé, pour être qui nature l'islam, pour qu'on dise en potentiel. Ou bien je vais porter 2 tonnes de fer. Après, on t'y pique, pour mettre, on met 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes. Et bon, gros camion, flatbed, ou pour mettre. Il est proportionnel à l'islam. Maintenant, l'offre évaluer, ou qu'on quel type de protection besoin. On y a faut mettre équipement. Faut assurer que il y a des gens qui conservent avec elle. Faut assurer que un service d'inspection régulier pour assurer que l'équipement toujours en état pour leurs besoins nous servent avec elle. Que pas voler, que pas craser, que pas déplacer pour leurs besoins venir. Mais tout ça, ça fait partie du travail des pompiers. Il faut des normes, il faut des codes, il faut des standards. Il faut l'éducation, la sensibilisation, la formation de la société. Ou même quand on doit faire programme, on doit faire promotion pour caravane, ou son homme qui calibre, ou tu dois un programme dans la télévision nationale, un programme pour la sensibilisation des décideurs. Parce que les décideurs, ils comprennent que c'est nous-mêmes comme citoyens qui menacent, ils ont même mis exempt. Non? Nous tous dans le même bateau. Un autobus ou devant des. Bon, si le chaviré, nous tous joignons. Un bateau devant des. Un avion devant des. Et pour bon, on parle de bus, ça veut dire. Tout pour nous joindre. Je veux dire, ma camionnette, tu utilises par exemple propane. Est-ce qu'il y a un inspecteur qui fait là-dedans tout, par exemple? Pompier, t'es doué pour superviser l'installation. Est-ce que monsieur qui a installé ou certifié? Est-ce que vous bien formé? Mais l'on prend tout ça, yo, qui ça yon freine comme règlement? Ou non jardin libre? C'est ça que fait n'a pas les décideurs, prenez responsabilité nous. Parce que n'a plein, qui ça yon freine contre règlement, contre loi? Même j'ai toujours dit à tout côté passé sur pour gasoline. Ah. Bon, et gaz pour banyou, même, et type que gaz pour banyou, mais le jardin botanique. Parce que des bons noms, gonyen, on tire la cour de la cour, on tire l'espace de la cour, il y a les 10 mètres pour banyou. Bon, même si l'installation bien faite, bon, n'est qu'à faire le job là, qu'à plein de propane là. Si on a gratté, elle qui prend, il y a n'importe qui qui fait, il fait une fausse manœuvre. L'infinité qu'on était un seul, il faut qu'à filmer là. Tout le monde est venu. Les bails sont pétés. Il y a au moins 2 km. Bon, ou pas même être. Bon, regardez, ou pas même être saisi côté boulé. Sous-vivant, les allo à l'hôpital, ou dit, bon, je vais expliquer ça, parce que je ne pas qu'on est non, dans le bip, et puis. Et puis, moi-même, l'hôpital là, je me couche. Il n'y a pas de risque. Je parle tellement fait vite parce que son liquide qui est sous pression. Moi, je joue à propane. Là, vous prenez mettre le DL à la caille. Bon, où est-ce qu'il y a un bail là? C'est le même phénomène qui est sur l'embargo. Tout le monde stocke gaz à la caille. Mais, côté pile ou un gars là, dans le fond de la cour. Mais, côté pile ou un caille, c'est le plus prévoisin. C'est même maillot fait pour pas de tout le monde joue nous là. Et donc, ce qui veut dire que vous mettez plus n'importe la voisine, mettez pour côté tout. Et que sur ça, tout près l'école, tout près côté monité, tout près l'école. Ou pas, qui j'aimerais le tout près la banque. Qui j'aimerais le ou ça arrive, c'est arrivé toujours 12 janvier après mon succès, votre commercial. Oui, bon Canada. C'est jardin botanique, moi le yo. Bon, qui ça que y'en freine? Où sont les décideurs dans tout ça? Où est l'État? Il y a lieu pour légiférer. Où est le gouvernement? Non. C'est exécutif là-bas.
faut exécutif la prendre responsabilité. Automatiquement prendre responsabilité d'une façon manifeste, définitive et rationnelle. Pas venir biaiser pour venir prendre sous côté, n'a pas retourner dans le même problème. Poser les bases une fois pour toutes. Et pas mettre premier pierre quand premier pierre est fini, c'est venir pire au bas et puis rien pas faire. Parce que il faut respecter la vie des gens. Que vos humaines. Pour n'y a pas ces gadgets. Bon, vous regardez tout le côté président, côté sénateur, côté premier ministre, tout pour ça. Bon, si vous faites accident, ça va passer. Si Dieu fait, ça va passer. Hélicoptère après Dieu fait, ça va passer. Hélicoptère a tombé, qui est-ce qui a fait là? Expliquez-moi. Alors, en fait, vous recommandez pour que vous création encore autonome de pompiers? Je ne vous recommande pas, non. C'est une obligation dans tout pays civilisé, ça va passer. Même si on met casou, on met pantalon, on va utiliser tel. Ou al ben, on va utiliser tel. Ou al manjou, on va utiliser tel. Mais ça, c'est un bagage primaire, c'est un bagage. L'État, la population est mineure. L'État, c'est lui pour prendre responsabilité, pour valoriser Vimoun, pour mettre corps pompier, pour mettre tout le monde en sécurité. Mais là, je dis avec Mérieux, qui croit que là, c'est pour bien contrôler la ville, et c'est pour contrôler le corps pompier par yo. Et vous dites que il t'a plus intéressant que c'est mis intérieur qui gère tout ben ça. Comment arriver non, mettre tout monde d'accord? Non, il y a d'accord. Quand il y a là la nature ou du visième d'où là. Tout le monde a dégagé. Vous avez une discussion faite déjà mais ici va là quoi. Mais pas d'accord ça. Pas d'accord pour que c'est mis intérieur qui gère pour gérer bon mieux. Pas dit c'est ministère intérieur qui pour gérer. Et d'accord avec vous, pas d'accord. Vous donnez d'accord avec vous, pas d'accord. Parce que j'ai dit et je le répète et m'a pris sans pour me répéter samedi. Je recommande fortement, à partir de l'expérience, que le corps des pompiers soit sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et faut gagner, faut autonome, à caractère privé, et pour jouer pleinement de l'autonomie administrative et financière. Donc, il n'est pas question que maison caoutchouc, c'est ministre ou bien c'est chef cabinet. Il n'est pas question de maison gaz, maison l'autre bagage. Non. APN, AN, ne va pas fonctionner normalement par le ministère de travaux publics. C'est le même genre. Donc, il faut mettre cool. Et puis maintenant, il y a des lois pour être capable d'ajouter des taxes pour toute institution qui représente un gros risque. Il y a des taxes pour être capable. Pour faire des pompiers moyens pour être capable de gagner une force contraignante sur tout le monde qui a violé les règlements que vous avez mis. Pour une première observation, mettez à main ou pas payer à main, fermez ou bien fermez jusqu'à ce que vous respectez les règlements, etc. Il faut gagner une force, il faut gagner un moyen légal dans le monde. Vous passez dans ces gages, monsieur pompier, pour votre question? Ouais. Pas de diable, confrère, mieux, c'est pas garage, mon cher. Parce que, regardez où est des cochons qui marchent. Cochons en santé. Regardez, tout camion va en pied en panne, et puis ces cochons qui marchent, ce ne sont pas cochons. Parce que camion pour sortir en panne, et puis cochons lui-même, bien vivant, bien grand, la mangé. Ils ne vont pas cochons. Avec tout le respect que j'ai pour mes confrères pompiers, ils n'ont pas mérité ça. Mais au prix de la guerre, ça te démontre. Bon, voilà un exemple flagrant de l'irresponsabilité des décideurs, des dirigeants. Le manque de vision, l'inconscience et puis l'ignorance dans le domaine dans tout. Est-ce qu'on a un document qui t'a aidé jeudi à pour nous remettre comme pompier à souvenir en Haïti? Bon, je fais un premier plan national en 1987 sous demande du général Lanfi, que j'ai publié dans le livre du feu que j'ai écrit avec Georges Comenton. En fait, il y a exactement localisation tout côté pour mettre national avec l'équipe. Bah, national, bah, dans la République de Port-au-Prince. Après ça, nous te prenons, il y a 25 ans, en 2012, l'armée américaine à travers Outcom, te demandé un update que nous baillons avec un document 291 pages, GPS, toute photo, tout bail ça, que nous remettons sur le gouvernement de Mantelli. Que nous remettons personnellement au secrétaire d'État à la sécurité publique de l'époque qui était Réginald Deva. C'est monsieur pour répondre ça le faveur. Mais on a toujours dit un bouillon incendiaire encore. Bouillon incendiaire, c'est des gadgets, c'est des monuments,
D'ailleurs, voilà, tu as tout pour y aller vendre dans fait. Vous comprenez? Ensuite, il y a là dans le CDF à travailler, c'est fou qu'on est pour qu'on est bon, pour aller faire brasse. Parce que moi, je ne veux pas la définir. Je dis que 123 bougies incendies dans la région métropolitaine. Ça semble que c'est 3 seulement qui ont marché, je veux dire. Bon, mais il n'y a pas même marché, c'est tirage. Vous comprenez? Alors, ça, tout le monde, il faut regarder. Mais, époque, nous, chef pompier actif, nous avons un ingénieur ça, nous sommes dans le CAMEP. Nous avons un apostille, monsieur. Chaque jour, il faut le bon liste. Malgré que le pompier n'a pas de problème, ça, nous avons passé, nous avons deux bougies incendies, nous avons de l'eau, puis nous avons tout. Mais nous avons l'eau même. Mais comme dès qu'on a aidé, maintenant on a fait dérogation, on a fait violation règlement international dans les pompiers de ville, il faut m'aller pour me tourner. Eh bien, mon cher, dès que mon rapport est tout avec elle, et chaque jour, je connais toute zone côté bouger sans alimenter. Donc, maintenant, le petit atout, le bagage, ça n'est pas allé, oui, il y a un poste pour parler, toujours de l'eau, l'eau ouverte, pas de l'eau, pour nous plonger tout. Alors, on va mettre du fer sous pause. Ou on va mettre du fer sous pause et pour aller tourner. Pas question. Donc, ensuite, Haïti est un pays pour un prix Nobel de mendicité. Tout ça, il faut cadeau pour. Ou pas, que l'on mette pour dire non, je ne vais pas prendre ça parce que ce n'est pas bon pour vous. Vous prenez n'importe quel incendie, ou non, pas que vous avez dans le livre que Georges Michel écrit. Ou bien Américain, ou bien Canadien, ou bien Japonais, ou bien tout. Bon, mais qui quantité d'équipement pour pompier à gagner pour nous faire tout ça? C'est ça qu'il faut prendre le tuyau, manger toute tête, tout n'est qu'à vendre l'eau, tout faire même des autres là. Ça veut dire, même monsieur qui a vendu l'eau, il a ouvert le tout. Mais ils ont mangé tête là, parce que ils ont une forme spéciale, ils ont en créole clé tête coucou. Ils ont une forme drôle. Donc c'est pompier seul qui a ouvert. Ils ont même mis le tuyau, ils ont mangé et puis ils ont ouvert quand on n'est pas de tuyau. Vous avez là tout fait, vous avez rangé et vous avez dit ça et tout. Non seulement faire ranger et tout. Les fini faut l'état suspend avec mes rio, c'est pas n'importe qui donne n'importe qui camion pompier ou tout non poubelle. Il y aurait la presse, il y aurait l'eau, la galère non vin bagaille tel pays a bail ou bien telle organisation a bail. C'est des camions fin expiré, c'est moi là qui bail après il vient, il fait débloquer les nuits. Alors pour chaque pays il y a une spécificité camion. Mais naturellement camion yo sans fonction de côté à ces débats qui fait sur mesure ou ka gagner qui là. Qui est capable de répondre aux besoins de base qu'on a utilisé, mais il fonctionne d'infrastructure, il fonctionne de route, il fonctionne de. Il fonctionne d'un paquet de critères qui risquent que qu'on peut attaquer. On fonctionne de paquet. Vous comprenez? C'est comme si je prends un radou mettre sous moi, mais non, nous pas même taille. L'infini, ça va ou à l'expirer, il y a au moins 20 ans. Maintenant, 20 ans. Bon, on joue un côté que je un camion. Camion gagne 8 cylindres de gazoline pour faire camion déplacer, 8 cylindres de gazoline pour partir incendie. Ça fait 16 cylindres. Moi, il y a des pompes de gazoline, des machines pour le manger. Alors, qui sont les gazoline? Il dit qu'il mourit. Ou pour un bulletin sous fond, communauté passée, cadeau. Il dit qu'on remplit fond, qu'on une belle bagarre, j'y t'ai mal, les négos d'une directe depuis les bails, les bails, les bails, les 8 cylindres. Quand les négos gagnent budget pour mettre gazoline. Moi, les négos, je dis, nous gagnons les pompiers là, nous gagnons les pompiers. Oui, on va nous livrer. Je dis, allez chercher les livres, même regardez, magazine. Tout ça, c'est... Pour dire que volonté, depuis qu'il est chômeur volonté, de qui sont vivre. De qui sont vivre. Ou volonté, combien de depuis 3 ans, dit, oh, ça va pour qui pour vous. Tellement, tellement, vous comptez ça la nourrir pour diable. Conjoint, corps de pompiers formé, mais comme il était là, il fait 3 ans, parce qu'on les conditions de 3 ans, qui est-ce qu'il mettait là? Parce qu'il n'a pas prendre pour dire, la gueule m'est là, la gueule m'est là, la gueule m'est là. Deux matins, c'est pour sauver au nom du feu. Et puis la garde ou dans graine, je vois boucan là, et va occuper d'elle. Et puis il va qu'on a rien. C'est quand vous allez mettre un nec dans la médecine, et puis qu'on a la voie la vie, mon bistouri. Et mais là, qu'il y a la médecine, non, et puis qu'on a la, je dis au grand malade, ou bouger l'hôpital, et puis c'est l'église d'un couteau. Moi, je sais, si c'est toi, ni ou de gain, ou à mourir crise cardiaque, parce que tout peut, monsieur Marion. Ok? Et bien c'est même bagarre là. Qu'on a malheureux à tant de diable que il y a un bloc à elle. L'over comme pompier, il met bien 3 ans là. Bon, ça pour du rempli conduction. Yo. Bon, si son zègne d'oye qui vient prendre l'ambassade là comme volontaire. Sous poitrine, sous une déformation colonne vertébrale ou pas qu'à servir. Sous un problème quelconque. Quand tranche d'âge tout? Non seulement un tranche d'âge. Jusqu'à qui l'on a pompier? Non. Je ne parle pas de
Donc, comme... qui sont les 9 ans, oui. Ah non, le gouvernement des paysans prend en 18-30 ans. Les gens sont tous les gens, tout les sens sous ou à frapper. Mais, l'arrivée à la, un certain âge, où on ne doit pas aller sur les lieux, mais où là comme backup, où là comme conseiller, où là comme formateur, où là comme inspecteur, où ça a un paquet de rôle et expérience ou carrière. Vous comprenez? Son côté que, mon cher, son métier noble, son. Mon cher. Décideur, s'il vous plaît, bye. Vous déjà vu chaque monde. C'est pas possible. Pendant que vous regardez, parce que nous allons fermer l'émission, M. Pinson, et vous regardez là, si ça t'arrive dans l'espace, un incendie qui éclate, qui premier réflexe t'a donné, qui premier réaction t'a donné, en attendant, on ne peut pas arriver sur place. Je vais répondre à une question, mais elle est possible. Et vous comprenez pour ça. Tellement, on n'a rien pas respecté ici, ou pas soutenu réglementaire. Ou pas contre qui ça vous dit, ou pas contre qui ça va bouler. Bon, moi, mon exemple. Où est la ville là? Vous serrez de côté dans la boîte de la ville. Je ne peux pas parler de parce que je ne pas contre qui ça dans la boîte de machin. Avec la sécurité, à ça vous dit, je ne peux pas faire ça. Et puis, vous comprenez son boîte de pépé ou mon boîte de marchandises qui a pété, et puis son dépôt de munitions. Qu'est-ce que vous dites, je ne peux pas parler? Donc, qu'est-ce que vous dites, je ne peux pas parce que, ou pas, si par exemple, vous avez été là, vous avez dit, oui, je ne peux pas faire ça, et puis, ils vendent de gasoline. Qui ça va dire? Son méthode. Li vann tine, li vann pepe, li vole courant. Est-ce qu'on comprend Zamdou là? Donc, qui conseille Malbali là? Parce que le nom fondamental d'accord. Mais chaque bagaille, il y a un jour approché lui. Ou bien mal Dieu, ou qu'on qui j'en poutre tel. Zore, ou qu'on qui j'en poutre tel. Bokas, ou qu'on qui j'en poutre tel. Ou Gweni, ou qu'on qui j'en poutre tel. Mais ça me dit là, c'est comme si on dit, ou malade. Soit proposer me faire pour me guérir. Vous comprenez? C'est question ça vous posez, oui, là. Malade, mais qui malade ou souffre? Qui dans quel état général ou yé? Parce que ou gen doit avoir une maladie. Et puis, condition, état général, ou pas permettre que y a sous maladie à tout droit, tu es obligé de stabiliser avant pour attaquer. Mais moi, chaque état a un mot extincteur. Non, ça c'est obligatoire. Mais extincteur, il faut qu'on quitte type de risque et tout. Il faut faire prévention. L'éducation aime tout mando mettez ça dans le programme de télévision nationale. Éduquer le peuple, éduquer la population, éduquer les enfants, parce que c'est une éducation qui doit commencer à la mamelle. Moi, je dis que je vais respecter l'éducation qui n'a pas servi de gros et tout. Non, éducation, sensibilisation, montrer au risque du feu, tout le bagage, en attendant que l'homme vienne. Ou montrer au monde, pas jouer du feu, pas jouer à l'allumette. On va peut-être un homme faire ça, mais la boule à tout caillou. Montrez le passé par allumette là. Montrez le l'avenue, mon fou. C'est pas ouvert vannant et puis la cherche à allumette et puis l'allumette. Ou a besoin d'un mousan, non? Quelles des mesures conservatoires et transitoires que nous avons en place? En attendant que nous respections les principes. Exactement. En attendant que les décideurs nous battent nos chances pour nous capables de respecter les principes. Monsieur Pinson, vraiment, c'est un plaisir. Nous avons fait un festival de Boussa avec vous matin sur TNH et ce débat de mi-fois et pour nous parler, pour nous sensibiliser, pour nous sensibiliser les décideurs. Exactement. Mais finalement, et qu'on a soit dans le pompier, il est en place. Et les gens disent fait. D'une façon définitive. On va être chargé avec terrain là. Et dimanche, tout le monde descend pour nous arriver. Jusqu'à 11h30 du matin, jusqu'à hier matin. Tu es sous place. Et tu fais 4 jours, 1 mois, 2 mois, oui. À dépend de ça qui a boulé. Ah bon? Oui. Moi, je dois s'y conscrire pour ne pas prendre proportion. Ok. Mais tout le monde là, il faut qu'on ait. C'est ça. Merci à le bon travail, Monsieur Pinson. Merci à la prochaine et merci pour l'invitation, monsieur. Voilà, notre invité ce matin, Gaël Pinson, spécialiste de la question incendie. Tu peux regarder comment ça y est, ça n'a qu'à faire. Pour que la prochaine fois, il y ait du feu de pays, il y a tout problème sérieux. Et puis, pour que finalement, les décideurs mettent Corps national pompier sous pied. Merci tout le monde, soutenez-le en direct. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup.